Accès à Internet, MPTTN Artec, cessez le monopole pour faire baisser les prix. Même si des efforts ont été accomplis dans le domaine de la télécommunication à Madagascar, nous avons quand même certains retards par rapport à certains pays de la SADC et la COI en termes de taux de pénétration, taux de couverture et surtout des tarifs, tel qu'il a été soulevé hier au cours du forum sur les nouveaux enjeux de télécommunication à Madagascar. Lors du discours de clôture, le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique a mis l'accent sur la nécessité d'ouvrir le marché. Aujourd'hui, un seul opérateur est autorisé, en tout cas, à faire la fibre optique. Il a fait très très bien son boulot, il a beaucoup investi. Les autres se plaignent, à tort ou à raison, de ne pas pouvoir investir correctement. Or, nous ne pouvons pas accepter qu'une situation reste monopolistique. Et c'est pour cette raison que l'ouverture du marché pour le développement des infrastructures et services est aujourd'hui une priorité de notre ministère. En marge du forum conjointement organisé avec l'Artec, il a indiqué, je cite, « Nous sommes disposés à accorder une autorisation par décret à d'autres opérateurs. Si compétition il y a, une baisse des prix s'en suivra et sera peut-être appliquée à partir de l'an prochain. » Fin de citation. Le ministre Christian Hamarlay note par ailleurs que ces dernières années, l'autorité de régulation des technologies de communication Artec n'a pas pleinement joué son rôle de régulateur, compte tenu des interventions des ministres successifs dans des décisions importantes qui ne profitent qu'à une minorité. Quand j'ai pris le ministère, j'ai commencé par abroger le CIAT Artec, tout simplement parce que j'ai constaté qu'ils n'ont pas été performants. En tout cas, je veux renforcer l'équipe d'Artec, le CA, et je souhaite que l'Artec jouera pleinement son rôle en tant que régulateur. En tant que ministre, je n'interviendrai pas dans le travail d'Artec parce que c'est un peu la difficulté évoquée par Artec, c'est l'intervention du ministre dans les décisions importantes qu'Artec prenne. Donc, bien que les débats d'hier ont parfois été houleux, l'objectif des discussions était de proposer des solutions pour l'amélioration de la qualité de service et l'accessibilité.